encore un pyjama, hein. Oui, de la... Mais moi, j'ai lâché mes cheveux parce que j'en avais marre, j'étais moche avec ça. Même pas. Je sais même plus où il est. Je l'ai remis dans mon sac, mon rappel. Enfin. Enfin, ce rappel, madame. Alors, on va parler de... Ça se passe bien à l'école, on va en mettre réponse, tout ça. T'as quel âge? Et moi, j'ai quel âge, ok? Voilà. Comment c'est rencontré, tout ça. Plein de trucs. Et elle est touchée avec ça. Ça m'énerve, elle est... Ah non, mais elle montre pas ça. Okay. Des fois, il a des gueux, là, c'est pour les dents, hein. Des personnes qui n'ont ouais, pas... Ouais, ouais. Alors, c'est parti. C'est Irina qui va poser une question après. On a quel âge? Attends, attends. Il est où? Attends. Désolée. Il est où? Bah, il est dans mon sac, mon téléphone. Dans mon sac, là. On te voit pas. Hein. Ah, mais oui, mais parce que je touche un téléphone, parce qu'il recharge. Alors, je peux pas aller très bien. Laura, elle nous a posé, vous avez quel âge et vous êtes dans quelle classe? Alors, on est toutes les deux en quatrième année. Mais en âge? En âge, on a, moi j'ai 9 ans et demi. Elle, elle a 9 ans, parce que moi, en fait, je suis née le 22 mai 2010, et elle, le 18 novembre 2010. Voilà. Alors, c'est pas la même chose. Et elle a posé quoi comme autre question? Bah, c'est tout. Alors, Lali, elle nous a posé à quel âge vous vous êtes rencontrés? Okay. Bah, on s'est rencontrés vraiment toute petite. Ça fait... À l'hôpital. Ça fait 8 ans. À l'hôpital, après, tu me dis. Ouais. Ouais, mais moi, j'étais un peu plus grande que toi, ouais, quand même. Parce que elle a 9 ans. Du coup, ouais, ben voilà. Ça fait 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bien avant la crèche, bah, elle était avec moi à la crèche. On a encore plein de photos et tout. Et du coup, voilà. Voilà. Et là, tu à toi, Irina. C'est à toi de poser des questions. Bah oui, bah, je cherche des questions. Bon, désolée pour mes chaussettes. Un amoureux. Ah. Et ben figurez-vous, Irina ne voit pas. Figurez-vous, moi j'en ai un. Bah, mais qui n'est pas dans l'école. C'est vrai. Ouais, je sais. Et toi, c'est Leandro. T'es obligé de tout dire. Bah, ouais, bah toi, ouais, toi c'est un Léandre, c'est le même Léandre. Hein. Non, je l'ai quitté. Je suis amoureuse. Un grand de 17 ans. Ouais, mais elle a pas encore dit à Léandre de le quitter. Si, je lui ai dit. C'était quand t'étais malade. Attends. Aussi, on vous a pas dit, mais si vous avez regardé les journaux, ou si vous êtes quelque parce que en fait, on est pas dans notre école, on est passé dans le journal. Et du coup, on a. Il y avait un élève
qui venait de Suisse et il s'appelle Adriano. Et franchement, il est vraiment pas mal, hein. Il a des yeux turquoises et tout. Ouais, mais en fait, il est méchant. Ouais, il est méchant. Il fait des prises de karaté. En fait, une fois qu'on était en gym, il a dit « Erina, arrête avec ton téléphone, viens. » Oui, ben je t'écoute, je cherche des questions. Je t'écoute, hein. Et en fait, on était en gym. C'était la semaine... Non, c'était jeudi. Là, on est dimanche, c'était jeudi. Et en fait, Gabriel, il faisait un karaté. Accumulé avant. Gabriel, il faisait... Accumulé arrière. Il faisait un cumul arrière. Et mais quand c'était à mon tour, il lui a fait vraiment ça d'un coup. Non. Sans que personne ne le voit. Moi, je l'ai vu, vu que je faisais comme ça, là, le cumul en arrière. Et après, Gabriel, il pleure. Du coup, il dit à madame de gym. Du coup, elle dit qu'est-ce qui se passe. Et lui, il fait semblant ouais, de rien. Ouais, il dit, ouais, mais c'est lui qui m'a tapé en premier. En plus, c'est même pas vrai. Moi, j'étais avec Léandro dans l'équipe. Ils étaient pas dans notre équipe, en fait. Ouais, moi non. Mais j'étais à côté. Mais je suis sûre que tout le monde a vu que Gabriel n'avait rien fait. Il a rien dit. Il